voyez ici, à l'extrémité, voilà, à l'extrémité du pneu en fait, vous avez une sorte de tige en métal qui s'incorpore parfaitement avec la roue, quoi, avec la jante. Le problème, c'est que quand vous crevez pour lever ça, je vous dis pas, c'est horrible, quoi, en fait. Mais en plus, sur ce vélo, ils ont réussi l'exploit de... Alors, je sais pas, franchement, c'est la première fois que je vois ça. En fait, le pneu, avec donc cette tringle rigide, était incorporé avec la gaine de la roue à l'intérieur. Donc, autant vous dire que pour lever la roue, c'était quasiment impossible. Alors, effectivement, hein, vous déjantez pas, ça c'est sûr, mais j'ai roulé 10 km sans déjanter. Mais voilà, donc j'ai dû me taper 10 km avec un pneu à plat. Donc, j'ai un tout petit peu abîmé les rayons, hein, forcément, quoi. Donc, c'était donc sur le pneu arrière. Et donc, comme vous pouvez le voir, ben, j'ai changé les pneus, quoi. Et j'ai mis des pneus à tringle souple. Donc, quand vous achetez en fait un vélo, vérifiez que les pneus sont fournis avec des tringles souples, c'est-à-dire des pneus normaux, quoi, en fait. Hein. Les pneus à tringle rigide sont faits pour vraiment les types qui font de la compétition, qui ne veulent absolument pas déchausser parce qu'ils font vraiment du cross extrême. Mais franchement, pour des mecs comme nous, qui faisons voilà, des petites randonnées tranquillos ou quoi, franchement, vous crevez, ben vous n'êtes pas dans la merde, quoi. Excusez-moi l'expression. Après, niveau suspension, nickel chrome, quoi. Il a des suspensions vraiment donc qui s'adaptent vraiment très très bien au terrain. J'ai pas d'objection particulière à faire. Voilà, système de frein hydraulique. C'est relié ici. Hein. Donc au niveau des freins, c'est des ABS. Alors les ABS, franchement, c'est comme sur les voitures, hein, c'est un freinage par à-coups en fait, on aime ou n'aime pas. Personnellement, au tout début, ça me gênait un petit peu en fait, je me disais c'est quoi ce truc là, il y avait des petits à-coups. En fait, point de vue sécurité, c'est quand même mieux qu'un freinage brutal, parce que ça vous permet de ne pas faire une culbute sur le vélo en cas de freinage d'urgence, quoi. Donc finalement, j'aime bien ce système de frein et ça me convient très très bien, quoi. Après, c'est comme tout, hein, il faut se faire un petit peu à l'usage et on s'habitue aux choses, quoi, en fait. Donc, comme voilà, je vous disais, hein, le système de blocage et de déblocage de la suspension, il y a un petit câble qui est relié ici, vous voyez, voilà. Et donc là, si j'appuie, regardez bien, tac. We'll be right back.